Louis MC4231. Donc un petit profilé de 6 mètres de long avec lit sur soute transversale. Et ici un petit lit, comment dirais-je, petit lit au plafond pour une personne a priori. Donc quand on entre dans le véhicule, on arrive sur le salon. Donc il y a un lit de pavillon, hein, une personne a priori. On a à peu près 1m85 de hauteur sous plafond. Donc le salon, il y a une table qui se plie pas, qui est sympa, hein, couleur blanche. Bon, ça se plie pas. Au-dessus du salon, donc un rangement. Alors la déco, c'est blanc, un peu laqué, avec plastifié, avec un petit décor sombre, mais qui est pas mal. Et c'est donc le blanc et le sombre qui sont assortis, hein, ici sur le meuble et sur la banquette. Alors la cabine décaissée ici avec un skyroof qui est ouvrant. On peut ranger des petites choses ici, pas énorme, hein. Bon, la finition et petit joint qui manque là, je sais pas. Alors, on peut mettre des petites choses quand même. Alors ce Mac Louis 231 MC4, il est sur Fiat, porteur Fiat. Alors après le salon, petite cuisine, cuisine standard, hein. Deux feux. Alors le positionnement des deux feux est inhabituel. En général, on voit plus comme ça, en mode paysage. Ici, il est un peu en mode portrait. Il y a une rallonge, a priori, une rallonge avec les petites équerres en plastique. Bon, c'est pas la super qualité, mais ça a le mérite d'exister. Grand rangement ici. Petit en dessous. Et a priori, deux petits tiroirs. Enfin, deux petits. Ils sont assez grands en hauteur quand même, hein, ça va. Donc cuisine sympathique. Avec à côté un réfrigérateur Trimix avec conservateur et partie normale, hein. Et puis bac à légumes ou bien pour mettre des bouteilles. Il n'y a pas de rangement ici en dessous, ça a l'air d'être local technique. Alors au-dessus de la cuisine, il y a un grand rangement qui est fractionné avec ici trois charnières. Le panneau de contrôle, il est là. Et la commande du chauffage, elle est là. Alors, un lit de pavillon électrique. Est-ce qu'on peut le baisser? Oui. Donc là, je suis au maximum. Baissé au maximum. Et encore, je ne suis pas sûr. Sinon, on dirait que c'est quasi au maximum. Après, il ne veut plus aller en... Donc on voit bien que oui, c'est effectivement un lit, une personne. Hein. Donc il y a des petits rangements possibles ici apparemment. Alors, lit somi-alat, filet anti-chute et un matelas. Bon, qui est bon. Il a l'air d'être un peu ferme quoi. Hein. Ça a l'air d'être un peu dur. Le moteur n'est pas bruyant et c'est assez rapide. Alors, à l'arrière, lit sur soute. Donc on a un accès à un rangement en dessous du lit. C'est ici en fait une penderie, hein, et on peut ranger des choses à côté. Le lit est très haut quand même, hein, c'est assez haut. Bon, ici il y a une poignée ou je sais pas ce que c'est. C'est la poignée de porte, oui. Alors ici, la poignée de porte, on ne peut plus entrer. Donc il y a la poignée de porte. Deux rangements. Ici, une fenêtre, un petit lanterneau. Bon, et ici, la literie, ça donne presque envie de se coucher. Joli décor à l'arrière, hein. Simili-cuir, toujours avec ce rappel du clair, du foncé. C'est pas mal. Donc ici, je vais pas pouvoir entrer dans la salle. Ah, si, on peut entrer dans la salle de bain parce qu'on peut plus la fermer. Il n'y a plus de poignée. Alors, la salle de bain, une toilette standard, hein, avec tête pivotante, fenêtre, petit rangement, prise ou interrupteur, mais ça va être une prise. Système, alors la douche, système comme ça.
petit lavabo. Et puis on utilise ça. Et alors pour prendre la douche, eh ben, on referme. Bon, ici je ne vais pas le faire, mais on referme ici. Et alors l'espace qu'on a, il est pas compté. Il n'y a pas de cloisonnement ici, donc là ça va. Mais c'est parce que certaines marques font ici un cloisonnement et là. Alors je ne sais pas si. Peut-être qu'il y a le cloisonnement d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'on met comme ça, j'espère que pas. J'espère que non, mais bon, je vais quand même essayer pour vérifier. Donc double bonde. Donc effectivement, hein, il semblerait que on ferme, je sais pas si. Ah non, peut-être pas. Là, c'est bon. On ferme pas le l'évier, donc c'est bon. C'est pas mal. Ça reste raisonnable en termes de taille. Ok, mais par contre, je l'ai pas remis au bon endroit. Il est plutôt par là. Ouais, donc ça va, c'est pas mal. Donc un beau petit véhicule.